Vous suivez MBS TV Sénégal. Sur Tchanaba. Chez Baye Hassan Seck, le Khalif, un fort moment de cordialité et d'hospitalité entre les deux hommes où le Khalif a rappelé l'histoire de la famille de Baye Ahmad Nass Seck, mais aussi donné un message fort à la jeunesse sénégalaise. Je lance un appel solennel à la jeunesse sénégalaise. Ils n'ont pas le droit de détruire le bien commun. Et ce qui nous lie est plus important que ce qui nous divise. J'ai remarqué que dans leur moment de colère, ils détruisent les biens publics alors que c'est une très mauvaise chose. Ils doivent savoir raison garder. C'est fort des prières et bénédictions de Baye Hassan Seck que la délégation s'est rendue à Kermam Elage, c'est la famille Nguyen de Thiès, pour encore renouveler l'engagement de la radiodiffusion télévision sénégalaise à œuvrer pour le rayonnement de nos foyers religieux. Thiès compte un grand nombre de familles religieuses. Le directeur général de la RTS s'est engagé à mettre les moyens nécessaires pour que chaque famille puisse bénéficier d'une bonne couverture médiatique. Khalife général de la Faïda Tijaniya, le directeur général de la RTS a réaffirmé son engagement à accompagner la ville sainte dans la couverture médiatique du Mouloud. Nous sommes venus pour faire notre ziar, vous rendre visite. Le Gamou est un événement qui occupe une place importante à Medina Baye. Je suis venu avec les directeurs de la télé, de la radio, mon conseiller spécial et le chargé du programme. Pour moi, c'est important de faire ce déplacement jusqu'à Medina Baye pour non seulement vous rendre visite, mais aussi solliciter des prières. Cette démarche novatrice dans la gestion du service public de l'information est appréciée à sa juste valeur par le Khalife général, Cheikh Mahi Ibrahim Agnès. Ce directeur, Monsieur le directeur général et la délégation qui vous accompagne, nous vous souhaitons la bienvenue. Di content ci sen ñew ci bessu tedd yi nga xamne julit bu nek yegna ci xolam ne bessi bessu tedd la. Vous êtes chez vous. Nous sommes très contents de votre présence. Nous sommes fiers du travail que vous faites et nous prions pour votre réussite. Ngay gisé waye yalla dimbalé ci lolu yépp nga am ci ndam nga am ci yëkëtiku. Auparavant, le directeur général de la RTS a été reçu par le président du comité d'organisation des manifestations et activités de la Faïda, Comaf. Sur place, les innovations apportées par Pape Alignan au niveau de la RTS sont saluées par Baye Mamoun Niass. Après Medina Baye, la délégation s'est rendue à Léona Niassène. Ici également, la RTS va accompagner la cité religieuse. Les guides religieux jouent un rôle primordial dans la stabilité du pays. Vous êtes des régulateurs sociaux et les disciples comptent beaucoup sur vous. Le Gamou est aussi célébré à Léona, un grand foyer religieux. C'est pourquoi nous sommes là pour solliciter des prières pour la réussite de notre mission. Monsieur le directeur général, vous êtes chez vous. Nous vous aimons beaucoup ici à Léona Niassène. Je vous ai toujours suivi ces dernières années. La télévision est importante pour la vulgarisation des enseignements des hommes religieux. Vous êtes dans la ville sainte de Mam Khalifa. Et nous allons prier pour vous. Cette visite du directeur général de la RTS a ainsi permis de revenir sur le dispositif mis en place pour une bonne couverture médiatique de la célébration de la naissance du sceau des prophètes.